Et voilà, premier poisson de la journée. Après une petite demi-heure, ça commence bien. Une commune de 4-5 kilos. On continue. Et bien voilà, troisième départ, troisième poisson. Super. Bon ben voilà, le quatrième poisson. Il m'a l'air plus joli celui-là pour cet étang. À mon avis, on est dans les, je pense dans les 6 kilos, au moins 6 kilos. Une commune, hein, comme souvent dans cet étang. Bon ben je la sors, fille, une petite photo.
c'est un joli poisson pour ce petit étang. Alors, le montage, je profite d'une petite accalmie pour vous le montrer. Alors, c'est basé sur le système XF de la marque Guru. Donc, ici, le bas de ligne, hameçon de 14, avec une petite bague en caoutchouc sur lequel je mets mon pelet babycorn. Donc, le corps de ligne étant 20 centièmes. Donc, j'ai passé, vous voyez, la boucle du bas de ligne dedans, et puis j'ai repassé l'hameçon en une sorte de boucle dans boucle, si on peut dire. Donc vous passez la boucle dans l'anneau et vous passez l'hameçon dans la boucle, vous tirez. Voilà. Donc c'est le système XF. Le système XF, par contre, c'est avec un système qui possède un élastique, vous voyez ici, dans le feeder, ce qui permet d'amortir les rushs et les départs de la carpe. Et ça évite de trop la blesser également au niveau de la bouche. Ensuite, en haut, c'est pas compliqué, c'est un système d'attache rapide, vous voyez. Donc ça, c'est mon corps de ligne qui est en 23 centièmes, c'est du nylon Matrix Special Feeder. Donc vous faites une boucle, enfin j'ai fait une double boucle, vous passez dans ce système d'attache rapide là, et puis vous remettez la tétine. Voilà, c'est tout simple comme montage, et pour l'instant ça fonctionne bien vu que j'en suis à mon quatrième poisson. Donc je vais utiliser ce système qui permet d'écarter la bague. Donc je prends la bague, je la mets dans le système, j'écarte. Je prends mon pelet, je le mets dedans, à moitié, vous voyez, et je fais glisser l'élastique pour qu'il se mette dessus. Tout simplement. Éventuellement, j'ajuste la position de l'élastique sur le pelet. J'utilise de l'amorce gros poisson, carpe. Voilà. Et je vais y ajouter environ une dizaine, une quinzaine de bouillettes fruitées. Là, c'est tout est fruité que je vais broyer au cruchat. Voilà, j'ai broyé au cruchat mes bouillettes fruitées, donc je les mélange dans un premier temps à l'amorce gros poisson. Alors bien sûr, petite remarque, toujours utiliser de l'eau de l'étang ou de l'eau pure entre guillemets, pas de l'eau du robinet qui contient de la javel et qui pourrait faire refuser l'appât à la carpe. Hein. Je vous rappelle que la carpe. Bon, ce qu'il faut, c'est laisser 5-10 minutes après les particules absorber l'eau. Vous laissez 5-10 minutes. Si ça se désagrège trop, il faut mouiller un peu plus. Et au contraire, si c'est trop liquide, il faut rajouter un peu d'amorce, histoire de sécher un peu votre préparation. Donc voilà, je vais laisser 5-10 minutes ça gonfler, si on peut dire.